Bonjour à tous, ici Jojol, et comme ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de tweak, eh bien je vous ai fait un nouveau top 10 des meilleurs tweaks installés sur votre appareil sous l'iOS 6.0 ou plus. On va commencer tout d'abord par Face Alt, qui va vous faire redécouvrir une des fonctionnalités du Galaxy S4 sur votre iPhone, c'est Smart Pause. Vous allez pouvoir mettre pause à une vidéo dès que vous ne regardez plus l'écran. Par contre, attention, après l'installation de ce tweak, vous pouvez rencontrer quelques bugs dans certaines applications qui proposent des vidéos. Là, je viens de le tester sur Safari, où je suis allé visionner une vidéo sur YouTube, et ça marche parfaitement. Passons désormais à VideoPane, un nouveau tweak formidable qui va vous permettre de lire des vidéos tout en faisant autre chose. Vous lancez votre vidéo, vous appuyez deux fois dessus et la vidéo se réduit automatiquement et vous allez pouvoir ainsi regarder la vidéo tout en faisant autre chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, mais j'ai l'indicateur de la batterie qui a changé grâce à Live Battery Indicator. C'est mon petit chouchou parce qu'il me permet d'avoir en gros le même indicateur que j'ai installé sur le S4. Enfin, sur le S4 il est un petit peu plus beau, bon, on va pas le dire. Mais bon, en gros, là, le pourcentage de la batterie est dans un rond et le rond indique à sa manière également le niveau de charge. En parlant de batterie, on va parler de batterie Doctor Pro, je vous en avais parlé en mars lors d'une vidéo en direct, et c'est le premier tweak à installer si vous avez un appareil jailbreaké. En gros, vous pouvez gagner en utilisation normale jusqu'à 20% par jour. En fait, on va vous proposer trois modes, extérieur, intérieur et nocturne, qu'il faut respecter obligatoirement. Je suis chez moi, je mets le mode intérieur, je sors, je mets le mode extérieur. En fait, pour chaque mode, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez activer la Wi-Fi, l'Edge, la 3G, le mode avion, la localisation, le Bluetooth, ainsi que le pourcentage de la luminosité. Imaginons, je suis chez moi, je mets le mode intérieur, où j'ai décidé de baisser la luminosité et d'activer uniquement la Wi-Fi. En fait, en respectant à chaque fois les différents modes, vous allez gagner de la batterie. Comme vous avez pu le remarquer aussi, vous avez un nouveau menu quand vous appuyez sur la batterie en haut à droite. On va vous afficher les applications en multitâche, on peut activer et désactiver automatiquement des toggles, et vous pouvez également supprimer toutes les applications multitâche pour libérer de la RAM. Mais il ne fait pas que ça, en effet, dès que vous chargez votre appareil, on va vous indiquer à quel moment il faudra débrancher votre appareil quand vous aurez fait un cycle complet. C'est-à-dire qu'il soit chargé de façon la plus complète possible, car lorsqu'on nous affiche que nous sommes à 100%, sachez qu'en réalité, celui-ci n'est pas chargé parfaitement, car il faut attendre encore quelques heures avant que la batterie soit dans ses meilleures capacités. Autre fonctionnalité intéressante, c'est de supprimer toutes les données qui servent à rien et qui prennent de la RAM ainsi que de la mémoire en allant dans la partie nettoyage. Je vais vous présenter maintenant MessageBox, et si vous parlez souvent avec vos amis sur Facebook, ce tweak est vraiment fait pour vous. En effet, vous allez avoir les petites bulles de la partie message qui vont s'afficher directement sur l'écran, que ce soit sur le Springboard ou encore dans une application, et comme ça vous allez pouvoir discuter sans aller forcément sur Facebook avec vos amis. BodyLock est un tweak assez complet qui va regrouper plusieurs fonctionnalités sur votre lock screen. En effet, lorsque vous allez appuyer sur le cadenas pour déverrouiller, vous avez des raccourcis qui vont vous permettre de lancer telle application. Vous pouvez les modifier facilement dans les réglages du tweak. Encore plus fort, je glisse vers la droite et on m'affiche des toggles qui me permettent d'activer ou désactiver des fonctionnalités, des réglages rapidement. Je glisse vers la gauche et là on m'affiche mes playlists de musique, j'appuie dessus et on me lance toutes les musiques de telle playlist, ce qui est plutôt pratique. Xpasscode, voici un tweak qui va vous permettre de protéger votre appareil d'une façon plutôt originale. En effet, pour déverrouiller votre appareil, vous allez devoir soit effectuer une petite mélodie avec un piano, appuyer sur différents endroits sur une image où vous avez un chat, ou encore taper sur plusieurs cases. Alors avant d'utiliser le logiciel, vérifiez bien avant d'avoir mis en place un code avec le système de base, puis allez dans les réglages du tweak pour choisir votre façon de sécuriser votre appareil, puis choisissez un code. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller l'appareil avec cette méthode, vous allez avoir en fait tout simplement une croix en haut à droite, vous appuyez dessus et vous allez revenir sur la sécurité de base
où vous allez mettre votre mot de passe habituel. Lockbar Pro est un tweak pour votre lock screen et qui va rajouter une petite flèche dans le bas comme sur iOS 7. Vous allez le maintenir et glisser et un menu réglage va apparaître. Vous pourrez changer la luminosité et activer et désactiver rapidement des fonctionnalités comme la Wi-Fi, la rotation, etc. etc. Alors bien sûr, c'est pas le Control Center, il ressemble un tout petit peu, mais il n'a pas toutes ses fonctionnalités. Mais en tout cas, ce que je trouve sympa, c'est la flèche du milieu qui change de direction quand on monte et quand on descend. Je trouve ça cool. Vous pouvez aussi changer ces réglages avec Aera, mais qui permet en plus d'afficher le centre de notification directement sur le lock screen. Donc c'est comme bulletin en quelque sorte, mais plus utile. Donc tout en haut, vous avez les toggles où vous allez pouvoir choisir la position de chacun via les réglages du tweak. Et pour finir, je vais vous parler de Wi-Fi. Comme vous le savez, lorsque vous souhaitez vous connecter en Wi-Fi, vous êtes obligé d'aller dans les réglages, puis dans Wi-Fi. Et bien là, n'importe où, je vais faire un geste que j'ai prédéfini avec Activator et je peux choisir ma Wi-Fi sur le Springboard, sur une application, ce qui est plutôt pratique. La partie 5 des 10 meilleurs Twixtidia installés sur votre appareil est terminée. N'hésitez pas à aller voir les autres parties, je les mettrai dans la description de la vidéo. En tout cas, on se retrouve dans ma prochaine vidéo sur ma page Facebook et Twitter. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Salut !